je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je m'excuse pour ma voix et le fait que je risque de tout sauter un petit peu parce que j'ai commencé à être malade ce week-end. Je pense tout simplement que je me suis chopé la grippe de monsieur l'assistant qui lui est malade depuis 15 jours, le pauvre, il en a marre là. D'ailleurs, je vais chez ma médecin aujourd'hui, petit programme du jour. Donc là, il est 8h moins quart, j'ai déjà travaillé un petit peu ce matin, tôt, avec ma première tasse de café, ça c'est la deuxième. Toujours de café le matin, pour démarrer la journée. Je me suis dit voilà que j'allais vous filmer une petite journée avec moi. Je sais qu'en général, vous appréciez pas mal ce type de vidéo. Donc, le programme du jour. Là, je vais continuer à aller travailler un petit peu. Après, ben, je prendrai le bus du coup pour aller chez ma médecin. Aujourd'hui, j'ai aussi des petites choses à m'occuper au niveau des plantes, notamment de mon bégonia maculata qui va pas bien du tout. Donc, en fait, je vais tout couper. Je vais aussi revérifier encore mon Monstera variegata puisque vous savez, il a des trips et je suis très très assidue avec lui. Ce week-end d'ailleurs, pardon. Je me suis occupée de toutes mes plantes, mais vous verrez ça, vous verrez une petite partie dans un vlog que je vous réserve pour dimanche. Cet après-midi, je vous partagerai aussi des petites lectures, ce que je vous l'ai, je pense, déjà dit par ici, mais j'ai la chance d'être à nouveau ambassadrice cette année pour la maison d'édition Ustica, que je remercie encore d'ailleurs s'il passe par là. Donc voilà, je vais vous partager ma première petite sélection que j'ai faite. Il y a déjà une revue, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, sur un des livres. J'ai commencé et je vais bientôt terminer parce qu'il est très petit, mais très agréable à lire. Il y a beaucoup d'humour dedans, j'aime beaucoup. Voilà, je vous partagerai ça, mais plutôt cet après-midi, parce que là, j'aimerais bien quand même aller continuer de travailler aussi. Cet après-midi, après-midi aussi, si j'ai le temps, j'aimerais bien continuer à travailler avec ma tablette graphique. J'espère que ça vous plaira. Je vous laisse là en papotage et je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo. Je papote un petit peu pendant ma petite pause de midi retardée. Comme vous l'avez vu, j'ai pris le bus pour aller chez ma médecin. Je suis rentrée, j'ai travaillé encore un peu, j'ai eu ma séance kiné, d'où le fait que j'ai mangé plus tard. parce que là, il est 1h45, je viens à peine de finir de manger mon repas de midi. Je me suis fait un petit café et comme j'ai encore un petit quart d'heure du coup de pause, bah, je vais m'occuper du coup des deux plantes dont je vous ai parlé ce matin. Donc le bégonia maculata, on va tout couper. Et le Monstera variegata, on va continuer de le traiter. Donc bah, écoutez, c'est parti, on y va. Donc voici la bête, vous m'excuserez, il y a un petit peu de vaisselle là dans l'évier. Vous voyez pas ma tête, mais on s'en fout, c'est la plante le plus important. Je vais essayer de vous montrer de plus près ce qui se passe au niveau des trips. Vous voyez, elle est bien amochée, hein, surtout la dernière fois, je suis dégoûtée. Mais bon, c'est comme ça quand on a des plantes. On est aussi parfois des nuisibles, ça arrive. Mais il y en a quand même déjà moins. Hein, parce que si vous avez vu mes précédentes vidéos, c'était blindé de chez blindé. Donc c'est quand même déjà mieux. Donc je vous ai rapproché ici. Bah, y a les dégâts, hein. Ça ce sont par exemple des dégâts de trips, voilà. Ici il n'y a rien, celle-ci il n'y a rien non plus, celle-là il n'y a rien non plus. Ici toujours cette fichue dernière nouvelle feuille. Là vous le voyez, hop, et ici aussi. Je ne sais pas si vous le verrez celui-là parce qu'il est
très minuscule là. Voilà. Vous voyez, il bouge. Salut. Mais bon, c'est tout. Dans les autres vidéos, il y en avait blindé ici, blindé là, il y en avait partout. Bon, c'est déjà mieux, mais on continue. On va continuer les traitements. Et vous voyez, c'est vrai, j'ai oublié de vous montrer, il fait une nouvelle feuille juste là. Donc, ça, moi, mon mélange habituel. Alors cette fois-ci c'est pas le savon noir de cette marque là, c'est une autre, mais c'est pareil, c'est un savon noir, un vrai savon noir. 2 cuillères à soupe de savon noir pour le bidon rempli d'eau, je pense que c'est 1 litre. Voilà, toujours avant de faire des traitements, je resecoue un petit peu. On voit d'ailleurs la mousse du savon. Et je vais venir asperger la plante très 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 généreusement. Le dessus, le revers, les tiges et même un petit peu au-dessus du substrat. Et ensuite, on va laisser poser à peu près une trentaine de minutes. Voilà. Bon, l'avantage, c'est que même si ça coule par terre, j'en mets partout, hein, je vous le dis. Je ramasserai après, bah c'est pas voilà, rien de nocif pour les animaux parce que vous pouvez laver vos animaux avec du savon noir. Donc c'est l'avantage des produits naturels. S'il y en a qui tombent un petit peu, pas de risque pour les petits poilus. Je vais mettre dans les creux et un petit peu le substrat aussi, la surface. Voilà, quand ce sont des grosses feuilles comme ça, vous pouvez même venir encore frotter un petit peu. Je vais laisser une petite trentaine de minutes et après je viendrai rincer. Là, on va s'occuper maintenant du bégonia où on va tout couper. Attention, ça va faire peur. Voilà, il ne reste plus rien. Donc, on va couper, ça ne sert à rien de garder ça comme ça. En plus, je vois que celui-ci, ça a séché au-dessus. Enfin, tant j'y avais pas de nuisibles, j'ai pas trop compris. Mais c'est très... En fait, je sens que les tiges, elles sont froides. Mais froides? D'où vient que ce soit si froid? Ouais, donc je me dis peut-être un coup de froid, du coup. C'est possible, puisqu'elle est près de la fenêtre. Mais bon, écoutez, les autres pourtant vont bien. Elle était dans la cuisine. Mais c'est vrai que c'est froid, c'est abusé. Bon, bah écoutez. Peut-être un coup de froid du coup. J'en mets partout, mais c'est pas grave. Donc, que je réfléchisse, parce que j'aimerais quand même bien laisser des petites choses sur place, n'est-ce pas? Donc, ouais, je pense que je vais laisser 2 nœuds ici, même plus. Il y en a là, 1, 2, 3 nœuds. On va couper ici au-dessus. Allez hop. Voilà. Et ça, bah écoutez, on va essayer de le faire raciner. Donc là, on a une longue partie qui ne sert à rien. Ça ne sert à rien de laisser autant de tiges après un nœud. Donc je vais venir recouper à peu près 1 cm, 1,5 cm. Voilà. J'enlève tout ce qui est un peu séché, cracrou, etc. Là, on voit qu'il y a une feuille hein, qui allait se préparer. Du coup, ça, on va faire une expérience. On va le mettre en eau pour voir si ça prend. Parce qu'il n'y a pas de feuille du tout. Donc, à part une petite ici qui doit se dérouler. Et du coup, on va faire une expérience. On va mettre ça en eau. Ici, ben, on voit que c'est tout brun, hein, ça ne sert à rien de garder ça. Là, je vais couper ici au-dessus peut-être. Voilà. Donc, il ne reste plus que ça. J'en mets partout et on s'en fout. C'est la fièvre de la grippe. Oui, parce que du coup, j'ai bien la grippe. Hein. Dis pas merci à monsieur l'assistant. Le pauvre, il n'en peut rien. donc, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de racines. Hein.
Il n'y en a même pas du tout, j'en vois plus. Donc, à mon avis, ça méritera un petit rempotage. Mais en attendant, je vais laisser comme ça. Je vais arroser et je vais voir peut-être pour mettre un sachet plastique au-dessus. Pour faire bah, comme quand on fait des boutures à l'étouffée. En fait, c'est ce principe-là. On vient recouvrir d'une bouteille plastique, d'un sac plastique, de quelque chose de transparent qui laisse passer la lumière, mais qui garde une ambiance humide pour aider à la prise. Donc, on va faire ça. Et ça, ouais, c'est vraiment pas beau du tout, du tout. Vous voyez là, je sais pas si vous verrez, mais c'est tout brun. Alors que là, c'est vert. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Je ferai peut-être des photos au cas où je vois après au montage que vous n'avez pas vu. Donc ça, au fait, c'est naze. Hein. Ouais, même là. Je pense que ça sert à rien, en fait, de garder même ne fût-ce que cette partie-là. Non, ça a commencé à l'intérieur à... Ouais. Non. Donc du coup, je ne garde que ceci. Et la tête d'une des deux tiges principales qu'on va mettre en eau et on verra du coup si ça prend bien. Je vais peut-être mettre un petit peu d'ayako dans l'eau pour le bégonia, ça va peut-être l'aider un petit peu le spécial pour enracinement. Donc bah, c'est parti, on repart dans la cuisine, on va ranger un petit peu le bordel que j'ai foutu aussi. Donc voilà, j'ai fait en sorte que ça ne touche pas, que le plastique ne touche pas la branche. Donc je surveillerai et bien sûr je vais aérer de temps en temps. Là je vais le laisser comme ça et puis demain ou après-demain je viendrai aérer un petit peu pour éviter aussi les risques de pourriture. Donc maintenant je vais mettre la bouture de tête en eau. Donc je remplis mon petit vase. Et je vais venir mettre le produit d'Ayako. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais c'est celui spécial, donc camomille, sauge et valériane spécial pour les semis et l'enracinement. Donc je vais venir faire un petit pchit. Enfin, plusieurs même. Voilà, pour ce petit vase-là, c'est suffisant. Je ne fais pas ça pour toutes les plantes. Il y a des plantes qui sont faciles à raciner. Mais ici, comme c'est un test, autant donner le plus de chances possible. Et on va mettre... Alors, je ne sais pas si ça va. Ça va. Il y a le dernier nœud qui dépasse bien de l'eau. Comme ça, j'ai quand même deux nœuds et pas qu'un seul pour donner le plus de chances possible. Je vais mettre ça à la fenêtre et puis bon, on va croiser les doigts que ça fonctionne. Bon, bah voilà, je me suis occupée des petites plantes qu'il fallait aujourd'hui. Là, maintenant, je vais retourner travailler. Coucou, je vous retrouve un petit peu pour papoter de 2-3 petits livres que j'avais envie de vous partager aussi dans cette vidéo parce que je suis en train d'en lire. Alors que là, il est 17h. J'espère qu'au niveau luminosité pour la vidéo, ça ira. Normalement, oui. Je n'ai pas encore trop, trop son, donc ça va. Alors, pour les petits livres, il y a celui-ci qui est donc L'automassage de Christiane Dildé. J'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai lu une bonne partie, mais en bref, au fait, ça vous explique les différentes techniques d'automassage, donc je trouvais ça très très bien. Comme je l'ai expliqué dans mon post Instagram, j'ai l'habitude depuis plusieurs années de faire des automassages, notamment au niveau de mes jambes, parce que ben voilà, suite à mes soucis et une mauvaise circulation sanguine, bonjour, voilà. Donc c'est une petite habitude que j'ai, voilà, de faire des petits automassages comme ça,
surtout au niveau des jambes. Donc quand j'ai vu que ce petit livre sortait, donc il est déjà paru au moment où je vous le montre, bah, j'ai sauté dessus. Voilà, vous avez pour les bouffées de chaleur, les ballonnements, l'anxiété, les douleurs menstruelles, le stress, les rhumes, vraiment pour plein de choses différentes. Il est coloré et doux à la fois, moi j'aime vraiment beaucoup. Et pour les massages, vous avez vraiment, c'est expliqué mouvement par mouvement, vous avez vraiment les étapes et puis des petites illustrations comme ça pour vous guider un petit peu aussi. Un petit livre sympa à offrir ou à s'offrir à soi, hein, voilà aussi, il ne faut pas s'oublier. Donc, premier petit livre, si vous voulez ma petite revue complète dessus, bah, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur mon compte Instagram, c'est la même chose, un jardin dans ma maison. Le second que j'ai reçu, c'est adapter son potager au changement climatique. Ici, on aborde vraiment tous les soucis liés à ces changements climatiques et donc à l'adaptation qu'on va devoir faire, nous, en tant qu'amateurs jardiniers, pour cultiver ici donc son potager. Voilà, vous avez vraiment plein de petites astuces. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne vais pas vous en parler plus que ça. Donc ça, c'est de Robert LG, donc qui est pépiniériste et jardinier. Voilà. Et le troisième que je suis d'ailleurs en train de lire, c'est « Toutes les gaffes qui plantent mes efforts au jardin ». J'adore le jeu de mots. Voilà, ça donne déjà le ton de ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc c'est de Roland Motte, Roland Motte que je suis sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. J'aime bien ce qu'il fait. Voilà, j'avais d'autres livres aussi, pareil, des éditions Rustica de lui, hein, ou deux, je sais plus. Mais j'aime beaucoup, et celui-ci, il est parsemé de notes d'humour. Vous avez 60 erreurs à l'intérieur. On nous reprend aussi notamment la fameuse peau de banane. Merci monsieur Roland Motte de le mettre, que la peau de banane ne sert pas à grand chose pour les plantes, hein, pour moi les plantes d'intérieur. On a tout ça, on a les cendres, les fameuses orties qu'il faut soi-disant mettre dans le trou au pied des tomates, dans le trou. Et c'est là où des fois, on, avec l'explication, on voit qu'au fil du bouche à oreille et du temps, en fait, les choses se déforment. Il explique au début, hein, que à force de voir et de lire des choses, d'entendre des choses de nos grands-mères, de lire des trucs et aussi de garder en tête des choses qui datent de 30 ou 50 ans, voire même parfois du Moyen-Âge, il l'explique dedans, bah, au fait, ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui parce que le monde a changé, le climat également change, notamment à l'extérieur, mais il y a quelques trucs aussi pour les plantes d'intérieur, il en parle un peu aussi. Je n'ai pas fini, hein, voilà, je suis à la moitié, mais j'adore les petites notes d'humour qu'il y a. Une page comme ça, c'est une erreur avec toujours le « oui mais » et puis le « alors comment faire ?» où là, ben voilà, il vous explique, ben voilà, au lieu de faire comme ça, faites plutôt comme ceci, en mettant au début aussi, il le précise lui-même, voilà, il le met ici, il n'y a pas de vérité au jardin, ou plutôt chacun à la sienne, le meilleur jardinier du monde, c'est vous, c'est moi, c'est le voisin. Pourvu que nous soyons dans notre propre jardin, la nuance est là, continuez à écouter les conseils des uns et des autres, gardez votre libre arbitre, agissez comme bon vous semble et retenez l'essentiel. Le plus important, c'est de continuer à se faire plaisir dans son jardin. Merci Monsieur Roland Motte pour ces phrases pleines de sagesse. Ça fait du bien à lire aussi. Et pour vous dire un petit peu des petites, ouais, petites phrases rigolotes, vous avez toujours au-dessus. Là par exemple, on a cassé la croûte et les bronzés. C'est pas Versailles ici, opération doudoune. Voilà, c'est toutes des petites phrases comme ça. Mars et ça repart, fameuse... ça me fait rire à chaque fois. Et franchement, je dis, c'est très concis. Très simple à comprendre et en même temps, il rentre dans les détails d'un point de vue scientifique pour nous expliquer pourquoi
est-ce que ça ne fonctionne pas. Il nous parle de l'assimilation des plantes, de l'assimilation des nutriments par les plantes d'une certaine manière en mettant des points spécifiques au fonctionnement même en fait de la plante, à comment est-ce que la plante fonctionne, comment est-ce qu'elle assimile les nutriments, etc. Juste quelques mots, en 2-3 phrases, c'est vraiment très simple. Franchement, j'aime beaucoup. Un autre petit livre sympa, il est tout petit, hein, celui-ci, il fait combien de pages? 80? Oui, à peu près 80 pages, vraiment tout petit, très vite, enfin, il se lit très facilement. Et puis, les petites notes d'humour, moi, je trouve ça très sympa. C'est tout pour mon petit partage de lecture plus plantes et bien-être. Là, je termine mon café. Je vais en même temps aller préparer le repas de ce soir. Je vais faire un pain de viande avec des pommes de terre et une petite salade. Quelque chose d'assez simple à faire. Et après avoir mangé, je me mettrai à travailler un petit peu sur ma tablette graphique. Je pense que je vous filmerai un petit peu ça aussi. Et puis, on en aura fini du coup pour cette journée avec moi. Je vous laisse avec la suite des images de ce petit daily vlog qui, j'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et puis à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et bien sûr, que le contenu vous plaît et que le cœur vous en dit. Je vous fais déjà des bisous green et je vous laisse avec le reste de la vidéo.